Qu'est-ce qu'il y a encore, les syndicalistes? Monsieur le directeur, nous avons pensé qu'il serait bien... Depuis quand vous pensez? Bah, enfin, monsieur le directeur, on peut quand même dire des choses qui... Mais monsieur le directeur, s'il vous plaît, quand même, nos collègues travaillent toute la journée, dur, sans pause. À la fin, ils sont absolument épuisés. Alors écoutez, moi j'ai des objectifs à tenir. Donc la société Domos propose 10 minutes de pause par jour. C'est comme ça et pas autrement, compris? Sinon, il y a toujours la porte. Maintenant d'ailleurs, votre pause est terminée, donc vous pouvez retourner bosser. J'ai du boulot, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce coup-ci? Monsieur le directeur, nous voulions aborder le sujet des toilettes dans l'établissement. Il n'y a certainement pas assez de toilettes pour tout le monde. Vous avez déjà une toilette, c'est déjà pas mal. Eh ben non, justement, c'est pas bien. Parce que d'après l'article R42-28 du Code du Travail, qui donne des conditions très précises pour le nombre de toilettes, notamment le 10e tiré, comme nous avons plus de 20 femmes dans l'établissement, il faut au minimum 2 toilettes pour les femmes. Et pareil pour les hommes. Par ailleurs, comme vous le savez, il y a des personnes qui sont handicapées dans l'entreprise et qui doivent bénéficier de sanitaires adaptés à leur handicap. Aujourd'hui, on n'y est pas. D'ailleurs, monsieur le directeur, pour revenir sur le sujet précédemment abordé, vous n'êtes pas sans savoir que l'article L3121-33 du Code du Travail stipule que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Bon, écoutez, là, j'ai vraiment pas le temps, donc on en parlera une prochaine fois. Ok, donc, monsieur le directeur, la réunion est terminée. Vous n'avez pas le temps, vous aurez certainement du temps avec l'inspection du travail. Bonne journée. Attendez. Asseyez-vous, on va parler.